Ce voyage en Anatolie commence au bord du Tigre et de l'Euphrate, berceau des premiers hommes sédentaires et des premières civilisations. L'histoire est ici millénaire et la frontière poreuse entre mythes et vestiges archéologiques fait planer un air mystérieux dans ces vallées fertiles. Premier exemple, ces reproductions que l'on trouve dans le musée de Chanli-Urfa. Elles sont les fidèles représentations des créatures que l'on peut trouver ensevelies dans un des plus vieux temples jamais découverts, Göbekli Tepe, construit il y a près de 12 000 ans. Monumental, il possède une dizaine d'enclos entourés de piliers en forme de T protégés par ces étranges animaux de pierre. Ce site intrigue quant à sa fonction, au début de la naissance de l'agriculture et de la domestication animale. Aucun village aux alentours, peut-être était-ce le sanctuaire des derniers chasseurs-cueilleurs, un site rituel pour les différentes tribus dont les animaux totems les représenteraient. Mais qui sont ces hommes sur les piliers en forme de T? Des divinités? Pourquoi sont-ils deux, centraux? Pourquoi y a-t-il autant d'enclos? Pourquoi certains vont jusqu'à 30 mètres de circonférence? Les fouilles sont encore récentes et Göbekli Tepe n'a pas encore révélé tous ses secrets. Je vais arrêter de glorifier la Turquie, mais étant donné que l'histoire est longue, il y a eu beaucoup de royaumes, il y a eu beaucoup de rois. Qui dit roi dit égo surdimensionné, qui dit égo surdimensionné dit montagne spectaculaire avec des dieux qui vont être sculptés au sommet, d'un travail de mégalomane, et aussi d'autres tombes, des cousins, des reines, de la famille, voilà, histoire que tout le monde se souvienne d'eux. Et on a Hercule serrant la main du roi. C'est Apollon. Ou Apollon serrant la main du roi. Mais non, c'est Hercule. Ça, c'est Hercule. Il a la massue d'Hercule. Et des textes pour probablement écrire l'histoire et la consanguinité de la famille. Et bien sûr, une tombe en dessous. Et tout ça au milieu d'un des affluents de l'Euphrate. Donc, au plein cœur de la Mésopotamie, c'est beau au coucher du soleil. Ce qui est, je pense, le plus incroyable pour moi en Turquie, c'est pas forcément la nourriture, la gentillesse des gens, mais c'est vraiment tous ces sites archéologiques qu'on peut trouver. Là, par exemple, on est à Zerveran, c'est un site qui est même pas indiqué sur le Lonely Planet, et on se retrouve en fait dans une ancienne ville fortifiée romaine. Donc les fortifications font quand même plus d'un kilomètre de long. Il n'y a personne, parce qu'il y a tellement de sites que les sites d'exception sont tellement importants que ces sites vraiment où il n'y a que des vestiges n'attirent pas le public, mais c'est vraiment le jeu du petit archéologue, encore une fois, et c'est génial de découvrir ça alors qu'on ne s'y attendait pas. Là, on est arrivé à un tombeau, enfin plutôt une nécropole, où ont été enterrés pendant plus de 7 siècles les habitants de la région. Et je trouve surtout qu'on a l'impression d'être dans un décor de cinéma, où je vois bien des tribus un peu à la King Kong qui protègent une divinité avant de devoir faire une offrande d'une jeune femme sans défense. Encore un très bon exemple pour lequel, et j'adore les vestiges, c'est qu'on peut découvrir des trucs qu'on n'avait pas idée. Là, on entreposait du raisin. La pente, elle amène tout droit un petit trou qui ensuite devait probablement placer une amphore qui récoltait le vin et c'est top quoi. Enfin, pas de machine mais l'ingéniosité humaine et de la pierre. Des tombes, un fédé et des archéologues. Mais dans la prochaine destination, on pourrait totalement être ici parce que c'est un peu trop lisse pour être de la roche naturelle. Hein. Autre lieu à Chanli-Urfa où on retrouve le même type de tombe, sauf que celles-ci sont beaucoup plus décorées. Donc on a le fronton qui est encore bien en place avec une sorte de pan. On voit les deux colonnades donc magnifiques qui ont super bien tenu. Et sûrement derrière on a le même type d'excavation qu'on avait vu des nécropoles partout.
dans la région. Elles ont à peu près le même style. Ici, c'est un petit peu plus richement décoré, avec pas forcément que des arches. Intéressant de voir l'évolution de la culture à une centaine de kilomètres près. On voit Kiron et encore Kiron. Donc c'est comme une BD. Le royaume Urartu apparaît au 9e siècle avant Jésus-Christ, autour du lac de Van, et va perdurer jusqu'au début du 6e siècle avant notre ère. Les principales sources urartéennes nous viennent de son royaume ennemi, les Assyriens. De fait, le royaume urartéen se couvre rapidement de forteresses, comme à Çavuştepe. Ces palais régionaux permettent de protéger la région et de mettre en valeur le territoire, notamment grâce à l'irrigation, le lac de Van étant une étendue d'eau salée. Ainsi, les richesses s'accumulent, liées principalement à l'élevage et à l'extraction minière. Les conquêtes se multiplient, les palais deviennent grandioses avant que le temps ne fasse son œuvre et que des querelles intestines fragilisent le royaume qui sombrera probablement aux mains des Scythes ou des Mèdes. Nous nous situons dans la province arménienne historique d'Ayrarat dans l'extrême-orient turc. Sur ces hauts plateaux désolés et balayés par les vents, se trouve une des villes médiévales les plus surprenantes qu'il m'ait été possible de rencontrer. Son nom est Ani, la ville aux mille et une églises, et voici son histoire. Il faut remonter au Xe siècle pour comprendre ce qu'était la splendeur de la ville. Forteresse devenue capitale du royaume arménien des Bagratides, elle atteint son apogée grâce à sa situation sur une route commerciale. Riche et peuplée de près de 100 000 habitants, elle rivalise même l'autorité de la région avec Constantinople. Ce conflit ne dure pas, car la ville tombe aux mains de sa rivale dès 1045. Elle est de nouveau capturée 20 ans plus tard par les Turcs. Quelques révoltes populaires la voient se rallier aux Géorgiens qui la repèrent aussitôt. À la fin du XIIe siècle, elle est rendue aux Arméniens avant d'être presque totalement détruite et abandonnée lors du sac des Mongols en 1231. Après avoir exploré l'Anatolie et traversé des hauts plateaux où il n'y a pas grand chose, il y a quelques petits villages, mais surtout de hautes steppes avec peu de végétation, une végétation très rase, on se rend bien compte en fait par l'immensité du lieu que cette ville a vraiment été un carrefour et a été extrêmement puissante. Et c'est pour ça qu'on peut venir. C'est pour se rendre compte que même au milieu de nulle part, l'humanité est capable quand même de créer de magnifiques villes et civilisations et monuments. Et on voit. Des églises partout, des restes partout. Superbe. Ce qui rend aussi ce lieu super impressionnant, c'est qu'il a été abandonné en fait depuis le sac de Tamerlan. Et du coup, plus personne n'a vécu ici. Ce qui permet d'avoir vraiment tout ça comme étant superbe.